palestinienne Jumana Mana et son film White Relatives. Deux réalisatrices libanaises, Rana Aïd, qui viendra présenter Panoptique, et Rana Aïd intervient aussi dans la journée GenderMed, et Yolande vous en parlera mieux tout à l'heure. Et il y a aussi Eliane Raheb, qui viendra présenter Ce qui reste, et Ce qui reste, eh bien, c'est Aflam qui le présentera. Ensuite au Maghreb, eh bien, on a une Tunisienne, et on retrouve Aflam. C'est une... oui, c'est le retour d'Aflam, on dit. Une Tunisienne, c'est Sarah Abidi, qui viendra présenter Benzine, ici, et enfin, la réalisatrice ne viendra qu'à Marseille, donc on passera le film aussi ailleurs. Et il y a une Algérienne, que nous sommes très contentes d'accueillir, et qui s'appelle Baya Belger, dont le film Fragment de rêve a été censuré en Algérie, on peut le dire maintenant, puisque voilà, elle a, je vous le dis très rapidement, Baya Belger était prévu, devait passer son film en clôture des rencontres de Béjaïa, et n'ayant pas obtenu le visa culturel algérien ni le visa de la commission de visionnement, elle n'a pas pu le passer. Les rencontres se sont arrêtées et se sont solidarisées avec elle. Baya Belger, je pense qu'elle va arriver à venir à Marseille. On va passer son film, en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour ça, parce que la situation du cinéma en Algérie est assez terrible. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc...